Salut à tous, salut tout le monde. Attends, comment je vais mettre ça? Va le mettre comme ça pour Facebook. Là, il y a TikTok. Salut tout le monde. On va faire les courses, les amis. On va faire quelques courses. Il faut que j'écoute s'il y a du retour et tout ça, si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne, mais bon. Faut que j'écoute ça. Je vais écouter ça sur quoi? Si ça fonctionne, surtout sur TikTok, Facebook. On va faire pareil, les gars. On va faire la distance divisée par deux. Par exemple, 2200 mètres. 2200 mètres, donc on fait 11. Faut récupérer 11 dans l'arrivée. Faut récupérer 11 deux fois dans l'arrivée. Faut aussi récupérer 13. Là, je peine à parler ce matin. Faut aussi récupérer 13. Faut récupérer la moitié de la distance. Faut récupérer la course qui vient de courir. Il y a plein de trucs à récupérer hein, dans l'arrivée possible. Dans les arrivées possibles. Dans l'arrivée que tu attends là sur ton ticket, tu dois par calcul ou alors retrouver 13 par calcul sinon deux fois dans les quatre premiers. Ouais, tu as 50 000 opérations qui peuvent égaler 13, hein, donc faut faire attention. Faut que tu égales aussi. La moitié de la distance. Ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais mettre les courses, hein, ça serait pas mal. Là, on part R2, R2C2, R2C1, c'est déjà parti, R2C1, 4, 5, 2, 6, 3. De C2 part à 12h25, vous pouvez aussi égaler l'heure. Ah non, c'est R2C2, c'est déjà arrivé. Ça partait à 12h10, hein, R2C2, tu vois ce que je veux dire? 8 et 2, 10 déjà. On a 6 fois 2, 12 aussi. 12h10, tu vois? À Volvega. Après, je te dis, égaler 12 et 10, hein, ça peut se faire autrement aussi. Donc, faut voir ça. Faut partir dans tes calculs avec une bonne base, un bon numéro pour faire une bonne base, pour faire les bons calculs. Là, on part R3C2. R3C2. Les pronostics de PMU hier étaient pas mal, hein, ils ont bien fini. Hein. Ça finit encore en 3 multi, je crois. On va attendre un petit peu pour voir s'ils sont bons encore aujourd'hui, là. On part à 12h25, là. R3C2. À Fairway. On est le combien aujourd'hui? On est le 15? Ouais. Attends. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Ah, je vais partager sur un groupe, hein, je crois. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui, il faudrait que je mette les courses. Hein. C'est ça que je voulais faire. Putain, je suis con. Une petite tête. Hein. J'ai une petite tête. Ouais, mais. Attends. Avec ça va être mieux, je pense. J'aurais pas le Capitaine retour réservé directement. à la Normalement, ça pouliche fonctionne aussi, de là. 2 ans. Favorite de cette épreuve, Normalement, il y a les le courses, ça numéro fonctionne. 13, Tufan, Je suis sur qui TikTok, se les amis, monte puis assez sur régulière en
cette Facebook. Tentative avec 43% de réussite sur le podium. Cette Tufan qui s'est classée deuxième ici à Fairview sur ça marche là le micro le 30 mai. Il y a PMU, est-ce que le micro fonctionne? Quatrième place le 17 juin et elle a encore une belle carte à jouer. Et c'est votre tout fonctionne, préférée. C'est bon. On va pouvoir faire des calculs, j'ai mon ardoise et tout là. Aussi une belle carte à jouer, comme le numéro 7, Lady Hawkeye. Pour faire des calculs, hein, je vous dis, pour faire des calculs, on va. Il faut qu'on récupère une bonne base. Alan Griff et Greg un bon Chen, numéro pour faire des calculs. Alors, soit on va prendre un numéro avec un nom bizarre, à la gagne, cette saison, un cheval avec un nom bizarre, ou soit on va éplucher. On épluche à 12h25. R3C2, 12h25, pour égaler la course d'avant aussi. Représenté ici par là, on a 4-6 As 2-8, là. 8-2 As 6-4 à faire avec R2C2, là. Récupéré pour R3C2, par calcul ou alors sec. On a 12h25 aussi à faire et on a 1200 mètres, donc 6 deux fois aussi. La deuxième favorite. Ouais, on a le 11 pour faire 6 avec le 11, comment on fait dans cette épreuve, les numéros 5, Echoes of 11 moins 5 égale 6. Le 4, Dreamscape. Entre le 11 et le 5, il devrait être là. C'est quoi? C'est R3C2, 1200 mètres. On a 12h25 de départ en plus. 11-5. Elle compte une deuxième place en avril et elle a repris de la fraîcheur depuis. Elle s'est aussi classée quatrième. À Fairview le 30 mai. C'est ma première, les gars. Après, il faut qu'on égale 13 aussi, puis il faut qu'on égale 6. Alors, 11-5 pour égaler 6 avec 11-5. Le 11, ça fait 1 et 1, 2. Ou alors, maintenant, il y a le 7 en favori. Là. Ça ferait 7 et 5. 7 et 5, 12. Ça ferait 12h25. 7 et 5, 12. Ça ferait 12h, quoi. 7 et 5, 12. C'est du plat, c'est 1200 mètres. On a une piste en herbe. Les pistes en herbe, on aime bien faire des suites de numéros. Donc on a fait un peu le tour des principales candidatures de cette épreuve. Est-ce qu'on n'irait pas vers... là, c'est ma première. Est-ce qu'on ne tenterait pas un petit peu la chance avec 10-13-5-2 là. 10-13-5-2, un truc comme ça. 10-13-5. On va regarder 10 plus 5. Il y aura 4 représentantes, hein, Guillaume, dans cette épreuve. Hein. Bon, attendez, les gars, faut que je me mette dans le bain. Beaucoup, ici, pour j'essaie cette de trouver un nom bizarre, un truc comme ça qui me plairait. Kevin Smith, qui la blonde magique, le 2. Favorite, le 13, Tufan. Le 3, Claré Gary. Et aussi Comedy, le 6. Il est bizarre, celui-là. C'est un bon point d'appui, ce numéro 13. Le nom bizarre de Comedy, le 6. Ah bah, Tufan est très régulier. Hein, Dakiri, le 10, c'est pareil, un nom bizarre aussi. Les participantes avec ses 43% de réussite dans les 3, ce qui donne exactement le même score que le 5 Echoes of Winter. Et elle a aussi des références Tufan, à faire valoir Tufan, le sur 13. La piste en gazon de Fairview. 13-10. Où elle s'était c'est quoi, c'est des 3 ans c'est, et 200 mètres, une piste en herbe. Pourquoi on montrait aussi haut dans les numéros bien, là ouais. Le piste en herbe avec 1200 mètres, ça monte pas aussi haut sur les numéros. Ah, c'est à Fairway. C'est à Fairwood là, c'est un racing, je sais pas quoi là. En bel état. Pur sang femelle de 2 ans, ouais. Bon, comment on va faire R3C2. Hésitation aussi avec la fille de Duke of Marmalade, Lady Hawkeye. Le 7. Salut les amis TikTok, salut les amis Facebook, salut. Du redoutable Greg Chen. Alors, c'est deux, alors. Vous avez une préférence entre les deux, vous? Pour le style de PMU, nous propose quoi? Le 7. Moi, j'accorderais un petit avantage le à 7 et 5, 12. On fait quoi 7 fois 3, 21, plus 4. Alors, le 4, on peut se le faire en 13. Évidemment, la régularité on peut faire 10, 3, 13, hein, peut-être 10, 3, 13, 7, 5. Hein. Pas mal de garanties. 10, 3, 13, 7, 5, mais ça fait beaucoup de numéros, ça. Le 10 en favori, il faut qu'on égale 9, 10, 11. Peut-être une meilleure marge de progression. Je suis un peu ciblé aussi par ses origines, puisque c'est une fille de Duke of Marmalade. Et si c'est 5, 11, si c'est 5, 11, 6, 5, 6, 5, 7. Les stalles est correct, hein. On rappelle que Tufan est encore mieux placé dans les stalles. Avec le 5 et le 7, ça aime bien se poser le 3. 6, 5, 7, 3. Non? Donc
là, on a parlé des principales favorites. Est-ce que vous avez remarqué pour faire un le calcul, petit code qui peut nous intéresser, Guillaume, parce qu'on a parfois des surprises hein, à Fairview. Bah, peut-être une inédite, c'est une piste en herbe, comme le 1200 mètres, R3C2. Qu'est-ce qui est tombé la course avant 4, 6 As, 2, 8. Il y a des cotes à 80 euros, pratiquement, là. Il y a une, deux. Alors, on sait pas si c'est le M ou le X. Il y a deux cotes à 80 euros, pratiquement, une cote à 90, pratiquement, et l'autre à. Si vous me dites que c'est le contraire, à 50. J'aurais dit Motois. Il y a des belles cotes, hein. J'aurais dit Motois. Donc, un jockey qui se débrouille bien. Hein, qui se débrouille. Comment je peux faire, là? Très bien, Louyolo Motois. Avec le 10 en favori, il faut que je récupère 9, 10, 11. On a une cote de 1,9. Voilà, nos concurrentes qui rentrent dans les stalles, hein, encore 2 minutes environ du départ. Ne tardez pas trop à valider vos jeux. Le 2, on peut se le prendre en 13 ou en 11. Toujours 11, 13. 13. On a pu voir aussi Duke of Marmalade. Faut égaler 13 hein, pas avec ce qu'on doit avoir dans l'arrivée. Le 13, il paraît pas mal pour faire les 4 puis le 13. 3 moins 1, 2, 3 et 1, 4 du 13. 13, 10, 13, 10, 5. Je crois qu'il va falloir de la chance. C'est les numéros chance. 13, 10, 5. Tenter un 3, 2 sur 2, 4, 13, 10, 5, 3, très prudent, 13, 10, 5, très prudent composé quoi, des numéros 7 et 13. Ça me correspond pas, c'est arrivé pour une piste en herbe, la courte distance comme ça, mais je sais pas. Chercher le mini multi de cette épreuve en prenant les bases des 13, 10, 7, 13, 10, les Dukai, des 13 Tufan, 13, 10, avec 2X, ah, en associant 4, 5 chevaux, 13, 10, comme 13, 10, les numéros 4 et 5. Je mettrai carrément tous les 13, 10, protégés de Gavin Smith à part là, sans qu'il n'y a pas une cote de confiance. 13, 10, 5, 8, 13, 10, 5, et sinon, possible tenter ce mini-multi avec 3 bases. 13, 10, 5, et là, on rajouterait en 3e base le numéro 5, Echoes of Winter, 13, 10, 5, pour sa régularité. Non, le 8 n'est pas là. 13, 10, 5. Voilà, 13, 10, 5, 9, 13, 10, 5, 6, 13, 10, 5, 9, 13, 10, 5, 6. Les candidatures principales qui sont les numéros 5. Peut-être le 9 ou le 6 en 4e position. R3C2. Ça me paraît bizarre, c'est des belles cotes pour du plat. Et la première à faire où aujourd'hui, là? On part à quelle heure? Le 5. À 25. Justement maintenant à l'écran. 12 en 25. Echoes of Winter. Le 13, 3 moins 1 égale 2, plus 10, ça fait 12. Ou alors on fait comment? 13, 10, 11, alors sinon. À 25, on part. 11 et 13, ça fait 24. On n'est pas non plus un ou deux près pour les minutes, hein, mais. Ouais, pas de problème particulier. Le 13, tu fais. L'heure, faut vraiment tomber juste, hein, 12h25. Alors qu'elle a les œillères. C'est peut-être ce qui la met un peu. On a 10 et 2, 12. Hein, on a 10 et 2, 12. Hein. On a une cote de 2,5 du 10. Hein, on fait 10, 2, 5. 10, 2, 5, 11. 10, 2, 5, 10, 2, 5, 7. 10, 2, 5. 10, 2, 5, 13, 10, 2, 5, 13, 10, 2, 10, 2, vous serez avec nous aussi 10, pour 2, la, 10, 2, 3, 10, 2, 3, 5. Moi, je préfère rester devant pour 1200 mètres, pour du plein. Je préfère rester les petits numéros. 10, 2, 5, 3, 10, 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Je préfère faire une suite, 2, 3, 5, 7, 10, 2, 3, 5, 7, mais 2, 3, 5, 7 en 2 sur 4. Oubliez le 13, le 11 et tout ça. 2, 3, 5, 7. 4, Dreamscape. Peut-être 2, 3, ça peut placer alors. 2, 3, 4, ça peut placer. Peut-être ça, 2, 3 ou 2, 3, 4. Je regarde ici. Je touche au plus précis que ça. Pitch Daiquiri. Ça va se mettre en marche. Dont on a parlé, oui, comme une possible trouble faite. On entend là. Il y a d'ailleurs. Sur ses chances. La vidéo. Pour une inédite. Blonde Magic, le 2. Ouais, Clary, Gary, le 3. L'entraînement aussi. Dreams 4, le 4. Bah oui, c'est un entraînement Sharon assez habile. Hein. Ouais. Sharon Coxen, c'est un entraînement assez habile. Hein, donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est si jouée. Maintenant, c'est 13 en favori, pour qu'on égale 12, 13, 14. Voilà, on va bientôt 14. Partir pour 1200 mètres. Ça va être à vous de jouer, Guillaume. 2 fois 7, 14. On a... Elles sont bientôt parties. Encore une concurrente à rentrer dans les stalles. Ça va aller très vite. 3 fois 4, 12. Sur la ligne droite 12, 13, 14, de Fairview. 3 fois 4, 12.
3-4. Une cote à 3-4 du 13. 13-3-4. 13-3-4. 13-3-4-5. 13-3-4-7. C'est le 9, Morning Breast qui vient d'entrer. Hein, c'est dommage. Elles sont parties 13, 3, 4, avec 5, un bon 13, départ 3, 4, 7. Du numéro 2, Blonde Magique. On a aussi un très bon départ de l'inédite, le 10, Petit Daikiri, qui se porte tout de suite aux avant-postes. Isolé, le numéro 9, Morning Breast, qui chemine toute seule. Alors que c'est toujours le 2, Blonde Magique, si c'est un bien stylo. Non, c'est la favorite Tufan qui a tout de suite pris le meilleur. Tufan en tête devant le 10, Peach Daiquiri. Troisième position pour le 5, Echoes of Winter. Le 9 est toujours isolé. Alors que Tufan, à 500 mètres du poteau, a toujours le meilleur. Aux prises avec le 10, Peach Daiquiri. Les deux concurrentes entraînées par Cliffy Miller sont aussi bien placées. Peach Daiquiri, l'inédite, qui prend la mesure de la favorite Tufan à 200 mètres du poteau. Peach Daiquiri qui va s'imposer avec beaucoup de facilité. Tufan qui va peut-être subir l'attaque du numéro 2, Blonde Magic. C'est fait pour Peach Daiquiri, début victorieux. Ouais, 13-10, excellent, non, 7-10 en premier là. Finish en dehors d'un concurrent aux couleurs claires qu'on va déterminer. Qu'est-ce qui tombe alors? Ça semble 10, être un des deux devant. Représentant de l'entraînement Miller. Peach Daiquiri, là. Il y en avait une au centre et l'autre plus à l'extérieur. Quoi derrière? Tufan qui a craqué un peu à la distance. Le 2, facile troisième. Succès de l'inédite Peach Daiquiri. Deuxième, troisième, le 2. Là, pour l'instant, les numéros 2 et 13 sont à la lutte. Le 5 est un peu en retrait. C'est donc 6, 9, le 4, 4e. Une autre inédite. C'est ça, non? Il peine à mettre l'espoir. La deuxième place. R3C2 provisoire, le 10. En tout cas, très facile succès de la débutante. Bon, j'ai donné 50 combinaisons. J'étais pas vraiment. Le 4, 4 hein, 10-2-13. C'est pas le 4, hein? Et 2. Bizarre. Des quatrième fois, je reconnais mal les numéros, je sais pas, mais. Le 13. 10-2-4. 10-2-4. Et le 5, Echoes of Winter, doit 10, 2, 4, 13, hein, c'est ça ? De la cinquième place. 10, 2, 4, 13, 5. Bon, bon. Donc, arrivé bon. 10, photo. 10, 2, 4, 13, 5. R3C2. Et 2 pour la deuxième place. Alors, fallait qu'on égale le 6 deux fois hein, avec la distance. Hein. Il y avait 1200 mètres, R3C2. On fait 4 et 2, 6. On fait. Supériorité à 10-6 égale 10-4 égale 6, 4 et 2, 6. Donc on a deux fois la distance. Donc on égale 13, deux fois aussi. On a 13 déjà. Et on va se quitter sur cette photographie pour la deuxième place. 13-4 égale 9. Première le 10, photographie entre les 9 et 5, 14. Et 4 pour la deuxième place. 13-2 égale 11. 11-4. Non, bah, je ne l'ai pas. J'ai 13 une fois, mais je ne l'ai pas deux fois. Bon, je dois le voir deux fois, mais je vais enlever là. Je vais faire les autres calculs. Je vais faire les autres courses. J'aime bien débriefer comme ça pour vous montrer ce que je raconte. C'est vrai. Déjà, on a la distance deux fois, tu as vu 1200 mètres divisé par 2 égale 6 et 6. On a 2 et 4, 6 et 10-4 égale 6. Je ne sais pas si c'est clair, mais là, il y a 2100 mètres à Volvega, R2C3, 2100 mètres. Donc, on fait 10 et 11 pour récupérer 10 et 11. Il n'y a que 8 partants, mais on va se débrouiller. On fait 8 et 2, 10, ou on fait 8 et 3, 11, on fait 5 fois 2, 10, on fait quoi? On va regarder tout ça. Là, c'est de l'atelier, c'est R2C3. Bon, il y a encore des belles cotes, mais il reste 8 minutes avant le départ. Hein. Les cotes vont baisser sûrement. Oui, troisième course dans laquelle eh bien, nous avons un non-partant. Il faut qu'on égale aussi R3C2, la course qui vient d'arriver là. Et il faut qu'on égale aussi 12h40. Il faut qu'on égale aussi la distance divisée par 2. Il y a 2100 mètres. Il faut qu'on égale 10 et 11. Il faut qu'on égale 12h40 avec les chiffres. Il faut qu'on égale l'arrivée d'R3C2 là. Il faut qu'on égale aussi la valeur du favori là, 2,3.
cheval figurait très utilement. Il prenait les 4e et les 3e places dans des lots relativement rapides dans les calculs avant chaque départ. Si tu veux gagner des bons trucs. C'est un client très sérieux. C'est un cheval qui est estimé, qui a été très ménagé. Merci les amis, merci sur TikTok. Merci. La majorité des suffrages. Pour le contrer, alors, le 5, on va noter l'arrivée d'Air 3C2. 10-4-2, 10-4-2, 13. Les dernières sorties sont quand même également excellentes. Quelques concurrents qui font leur apparition en piste pour en revenir à un mec Pastou. Eh bien, le cheval. Il faut proposer 4 chevaux. Soit tu joues en 2 sur 4, soit tu joues. Par conséquent, ça va être un tout petit peu une configuration différente de celle de Robertson. Couplé placé, si tu es rassuré, tu joues couplé gagnant, peut-être trio. Sinon, pour assurer des gains, c'est bien de jouer 2 sur 4 ou couplé placé. Si tu es un peu mieux rassuré, tu joues couplet gagnant ou trio avec 4 chevaux proposés. Donc, alors, on va éplucher tout ça, on va regarder les noms des chevaux, tout ça. On se rassurer aussi avec les noms des chevaux. Il y avait des noms bizarres avec le 10 et tout. Tu vois, il est arrivé. Le 10 avait un nom bizarre, le 2 aussi, le 4 avait des noms bizarres. Bien sûr, soit c'est des noms bizarres ou soit c'est des noms qui font rire, des noms rigolos, pour commencer tes calculs. Là, on est à Volvega, R273, c'est ça? On a le pronostic de PMU qui nous propose A584. Qu'est-ce qu'il nous propose en haut, le pronostic de PMU? Alors que je me connecte. On découvre notre concurrent ici, il s'agit du numéro 8, Kedbull. Kedbull, autre représentant de Basse Crébasse, c'est d'ailleurs lui qui sera à son suivi, il fallait proposer à 17 contre 1. Avant tout, ça paraît assez compliqué, même si quelques performances l'autorisent à figurer dans ce lot. C'est un cheval de 5 ans, réduction la meilleure sur l'hippodrome de Volvega. Là, c'est de l'attelé, hein. J'ai peur qu'il y ait trop de gamelles et tout, là. Je sais pas, à Volvega, il y a eu des gamelles ce matin à Volvega, là. Il y a eu de la casse. R2C2, il y a eu de la casse ou pas? Il y a eu un non partant et un die. R2C2, R2C1, il y a eu quoi? R2C1, c'est pareil, non partant, die aussi. R2C3, il faut faire attention. Les fautes, c'est exprimé par die. Il marque D-A-I, les fautes. Les chevaux qui ont fait des fautes. Alors, je vais essayer de récupérer les pronostics du jour. Je vais regarder si c'est pas mal. Il y a quelques courses qui ont été faites, là. Alors, R2C2, qu'est-ce que ça donne les pronostics de PMU, R2C2? R2C2, PMU proposait 2-8-7-5, et la couplée gagnant 2-8. R2C1, le pronostic de PMU, 8-4-2-3. Qu'est-ce qui tombe? 4-2 en couplée placée. R3C2, 7-13-8-5-10, proposé par PMU, il y a 13-10 en 2 sur 4. Bon. R2C3, A5-8-4, proposé par PMU, A5-8-4, R2C3. Proposé par PMU, est-ce que je vais trouver autre chose, moi? R2C3, on part à 12h40, qu'est-ce qu'il peut nous faire 12h40? 8 x 5, 40. Un mec palou, le 5. Le 6, ça a l'air bizarre. C'est un 6 ans. Kenbull, le 8. Ouais, mais attention, parce que. C'est Volvega, il peut y avoir des fautes. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de fautes à cette course-là.
Excusez-moi, j'avais mis... Passelou, qui est crédité du numéro 5. Et ça, ce concurrent, eh bien, la cote est logique, puisque le cheval vient la de vidéo, trotter pardon. 13 à Berlin. Il avait trotté je vais regarder les chevaux, la lueur qu'ils ont, tout ça. Réduction tout de même pour ce concurrent à Volvega. Donc, méfiez-vous-en. Jack McKenzie, honnêtement, ça paraît assez compliqué. On a une cote de 2,2 du favori. Hein. 2,2 du favori, tu comptes Palace. Donc, ça te fait 2-3. Donc, tu prendrais le 3, le 4 ou le 2. 3, 4 ou 2. Ça se passe bien. Le 5, un mec enfin, on va pas te prendre tout ça parce que là, il faut jouer serré. Là. Ouais, pas impressionnant. Et une cote à 2 euros maintenant. Donc, on prendrait le 3. Là. Je vais vous faire... je vais vous faire comment, comme je fais. Hein. Je vous fais sec. Hein. À 2,1 du favori. La cote du favori, 2,1. Donc là, il faudrait prendre le 3. Il faudrait prendre le 8. Mais là, une cote à 2 euros. Là. On va prendre toujours le 3. Il faudrait prendre le 7. Mais le 7 n'est pas là. Donc avec le 3 et le l'as, comment on fait 7? On fait 5 et 3, 8 moins 1, 7. On fait 3 fois 2, 6 et 1, 7. On fait 3, 2 as ou 5, 3 as. 5, 3, 2 as. Il y a mes combinaisons, on ne met pas chez 5, 4, 3 as. 5, 4, 3 as, mes combinaisons, on ne met pas. Il y a 5, 4, 3 as ou as 6, 4, 2. As 6, 4, 2, ça paraît short, mais c'est 2100 mètres. Attends, sinon je vais la couper là, ça va être chiant. J'aimerais bien voir les chevaux. Regarder l'allure des chevaux si je peux me décider avec l'allure des chevaux. Le numéro 2, Kesper. Ça, c'est le gros point d'interrogation de cette course. Et après, il faut y aller aussi 13, hein, je te parle. Et puis la distance, 10 et 11, il faut y aller. La distance. Il espère cette fois que ça va bien se passer. 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12 moins 1, ça fait 11. Voilà, il a fait ce qu'on lui demandait. 1, 2, 3, 4. Robertson a certainement. 3 fois 4, 12 moins 1, ça fait 11. C'est vraiment la base absolue, même si on n'a rien inventé. Vous n'aviez pas besoin de moi pour ça, il était à 4 pour 10 à l'ouverture. Voilà, on fait et quoi là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert qu'il est pareil. Il faut égaler 10 et 11. Un mec passe la distance à 2100 mètres, il faut égaler 10 et 11. Comment on fait ça rien, ce qui n'est pas négligeable. Mais si c'est 5, 11, on fait quoi 4 fois 3, 12, moins 1, 11. L'autostart attend les différents protagonistes. Il n'y a pas de. Il y a une grosse baisse de cote sur. Il est tordu celui-là. Qui est passé de 28 arrivé derrière 3-7-2, la course d'avant c'est 10-4-2-13-5. On va prendre le 5 pour faire nos calculs. Donc il faut qu'on égale 10 et 11. A trotté 14 en étant ferré. Et comment, 5 fois 2, 10 et dernier, plus là ça fait 11. Et au mois d'octobre avait vraiment des performances très flatteuses. 5 et 4, 9 et 2, 11. Petit moins 1, 10. 5, 4, 2, As. 5-4-2A, ça paraît pas mal, ça irait ça avec le truc là papier, la course qui vient de se courir. 5-4-2A, on a 10 et 11. Hein. Mais est-ce qu'on a 12 heures lors de départ 5-4-2A, 12h40. 5-4-2A, 4x3-12, ça passe. 4x3-12, 5-4-2A, 4x3-12, ça passe. As 3-4-5 alors enfin, c'est dommage, c'est parti les gars. As 3-4-5 en trio, As 3-4-5. La voiture qui prend en charge les différents protagonistes. Je pense que ça s'est arrangé avec le chronomètre et dès lors on pourra avoir les temps intermédiaires. Regardons ce début de course, rappelons que cette inflation est non partant. 2100 mètres à couvrir, des conditions idéales, un joli soleil, très peu de vent. 8-5 as 2. Et voilà qui s'élance. J'ai pas eu le temps. Il y a plein de trucs à regarder, les gars. Très vite, Kesper. C'est dommage, on va payer celle-là. Il est débordé désormais par le 3 Keep Flying. Keep Flying, Kesper pour aborder le premier tournant avec le 5 également. Faut pas tous les faire. Voilà les trois concurrents qui mènent le bal. Et il y a un petit trou ensuite avec Robin Hartson qui est parti en 4e position. Pas si on m'entend bien sur TikTok. Il y a Ken Bull, le numéro 8, qui ferme la marche. La ligne d'en face et Kesper a laissé passer en tête. Normalement, c'est bon. On me demande de passer en live. Mais non, les gars, j'invite personne. Déjà le bordel, je peux déjà. Moi tout seul, je peine alors. On patiente et on commence.
commence à venir à l'offensive avec un McPasloo qui double ses rivaux maintenant, qui s'installe en tête. Un McPasloo pour se diriger vers les 500 premiers mètres, qui a pris le commandement. Une 10 pour les premiers 500 mètres. Un McPasloo qui mène, deuxième place occupée par Keep Flying, troisième place dans leur dos pour le 2 Kesper. Robertson est venu tranquillement à sa main, il est en quatrième position. C'est cette casaque blanc, noir et rouge. Derrière, on essaye de faire la jonction. On est très attardé avec le 8 Kenbull pour le moment. Un passage vers les tribunes, on n'a pas Molly en tête. Hein. On est allé vite quasiment depuis les 200 premiers mètres avec la tête occupée par un mec passant qui fait du train. Non, on n'avait pas 13, on avait 12h40 à faire. Voilà, le il faut 5h40, mais le 8, on le faisait comment pour passer devant les tribunes. Ensuite, on essaye de rester au contact. 2-3, 2x4-8, 5h40, 2-3-5, 1x2-10 et 3-1-2, 12h40, 5-3-5-3. Du 5 à McPasloo, de Keep Flying dans son dos, de Robertson qui est en 3e position et qui ramène d'ailleurs Lidero qui vient 4e. Kesper est toujours le long de la corde en 5e position et on recolle un petit peu avec le 6 Jack Buckley. 4 x 3, 12, 12h40, 4 x 3, 12, 4 et 3, 7 et 1, 8 x 5, 40. Ce qui permet bien évidemment aux concurrents qui étaient attardés de recoller. On va réaccélérer à Milline d'en face avec Robertson qui est toujours à l'extérieur du numéro 5 avec Passemou. Ces deux-là eh bien, vont encore assez facilement. Dans leur dos, il y a un cheval qui a des ressources, le 3 Keep Flying. Kesper est un petit peu pris de vitesse. Il y a également le 4 Lidero, tandis qu'on a du mal à l'arrière-garde avec Jack Buckenswick et avec Ken Bull. C'est assez logique hein, qu'on mollisse à l'arrière-garde parce qu'on repart d'un seul coup maintenant. De 18, on est passé à 16. Dernier tournant en vue. Robertson a des ressources. Il vient à la hauteur de l'animateur. Le 5 avec Passemou dans le l'autostart, c'est comme la piste en herbe, on aime bien des numéros qui suivent. Même avec un petit décalage. Un décalage d'un chiffre, mais les numéros qui suivent. Oh, le 6, il vient en mode. 5-3, mettre option tous les ordres. 5-4-3, il faut mettre option tous les ordres. Pour le 6, Jack Buckenswick, victoire de l'As. Robertson qui a résisté au numéro 3, Keep Flying à ses 3 pour les deux premières places. La troisième place, elle est en retrait pour un concurrent qui s'est remarquablement défendu, mais qui n'a pas pu, le 5 à Mec Passelou, eh bien, résister à la meute. 5-3, c'est option tous les ordres, mais c'est les petites cotes, ça ne paiera pas ça. Ah, le 3 qui avait une belle cote, je crois. Ça va peut-être être un trio quand même, peut-être 50 euros, peut-être 40 euros, 35 euros, peut-être rêver plus, mais. 5-3, c'est chier ce 6, il a eu 8-12. Ils l'ont compté le 6, non? Il n'a pas fait une faute, ils l'ont compté le 6. On part à Fairway, là, R3-C3. Il y a 12 partants, 1200 mètres. Il faut qu'on égale 6 et 6. As-3-5-6, R2-C3. As-3-5-6. Là, il y a 1200 mètres. Il faut qu'on égale 6 et 6. Il faut qu'on égale 12h55. Et il faut qu'on égale aussi la valeur du favori, puis la course d'avant. Là. On égale les numéros de la course d'avant, l'heure de départ. Il faut qu'on égale 1200 mètres. La course divisée par 2, ça fait 6 et 6. Il faut qu'on égale aussi 3 fois 12 le nombre de partants, il faut qu'on égale 2 fois 13 avec les 4 premiers. Avec les 5, le 5 dans l'arrivée, on doit égaler 3 fois 12 le nombre de partants. Avec les 4 premiers, on doit égaler 2 fois 6 à 1200 mètres divisé par 2, 2 fois 6. On égale aussi 12h55 soit avec les 4 ou 5 premiers. Donc on va faire nos calculs et puis on va vite fait calculer tout ça. Hein. Si déjà on arrive à se repérer sur un ou deux calculs, trois calculs, c'est mieux, mais sur un ou deux calculs, c'est déjà pas mal aussi. Hein. Je sais pas, le cinquième, c'est qui, là, R2-C3, là. Alors, il y a 12h55 à faire. Il y a 1200 mètres divisé par 2. On égale 12h55. Course à Fairview.
dépendant, comme le disait Sophie, de l'épreuve précédente pour Poulain cette fois. Des poulains de 2 ans, alors, ils ne seront 12h55. Plus qu'est-ce qui peut nous faire 55, les gars, cette épreuve. Il y a 10 fois 6, moins 5. 10 time round, 6 fois 10, 6 fois 10, 60, moins 5. On a à l'écran le numéro 5. On va faire ça sinon. Orsi, qui est déjà en piste. Ou alors 9 fois 5, 45, plus 10. On aurait peut-être bien du 9 ou 6 sans un peu passer là. Orsi qui vient de courir en progrès sur 1000 mètres. Oui, mais attends. Ici même. Parce que c'est 1200 mètres. Donc, ok, il faut faire 2 fois 6. Orsi, la distance. Comme le disait Sophie, hein, faut, on a 1200 mètres à faire, on a 2 fois 6 à faire, on a 12h55, il y a 12, ça fait 6 fois 2 aussi. 3 DV Crockett, 9 Siberian Fox. Comment on va faire? On a une cote du favori, le 12 à 5 euros. On accordera une préférence. Donc, si on compte pas là, on fait 2, 3, 4, 5. Qui en deux tentatives compte autant de troisième place. 1, 2, 3, la dernière 4, acquise 5, sur 1400 8, mètres. 8, c'est cher. C'est cher le 8. C'est troisième avant le 27 mai sur ce parcours. Si c'est 12, comment on fait 8, les gars? Et 12 moins 4 égale 8, on fait 6 et 2. Et 6, 2, 4. Assez appuyé 12, 6, au betting, 2, 4, hein, donc votre favori pour l'instant, c'est pas, le 7 Rafiki. Il a signé de bons débuts. Le 15 juin à Kenilworth, je sais pas, deuxième attends. Sur 1100 mètres. Oui, il y a des 6 deux fois, donc on a tous divisé par deux. Comme hein, si on a Aldo Domeyer. Voilà, il est donc logique d'en attendre une confirmation. Mais Guillaume, dans la précédente, hein, il n'y avait pas de fumée sans feu. Hein, il y avait de l'argent sur l'inédite pitch d'Aikiri pour l'entraînement 12 de 12 moins 10, Cozen, ça fait 2. Donc il s'est imposé. 3, 6, et là, l'entraîneur présente 10, 12, numéro 4, 10, 12, 2, 3, Flying Astérix. Ça me paraît bizarre, cette arrivée. Astérix, il plane 1200 mètres à 12, 10, 2, 3. Et après, il a comment on fait 12, 10, 2, 3 pour récupérer hein, il est très perfectif, ce Flying Astérix. Et il peut effectivement s'imposer. Hein. Voilà, en revanche, la cote, voilà, c'est plus timide que celle de la 3, 6, tout à fait. Et on a d'ailleurs un inédit hein, dans cette épreuve. Hein. C'est le 10, The Last Bell. On l'a à l'antenne. Là, va encore falloir de la chance là, avec le 10, 5. Oui. C'est quoi les cotes entre. Il a l'air très bien. Les cotes entre. Là, on va changer de pari, on va prendre les. C'est un peu placé. On va prendre les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. On a 2 et 10 en simple placé là. On va jouer là-dessus. Hein. On va pas faire de combinaison là. Parce que si on a 10 et 2, alors pour faire nos calculs. Et le bonheur n'a couru qu'une fois. 10 et 2, on part à 12h55. Donc 10 et 2, ça fait 12 exactement, ouais. Toi et il a terminé troisième. On a une plus favori à 5,1, c'est cher quand même. Pour ce 6, le bonheur. On a l'arrivée d'avance, c'est quoi 3, 5, 6. Le concurrent le plus régulier pour l'instant, c'est le 2 d'Amni. 3, 5, 6, 2. Donc on va prendre le 2. Tentative compte autant de podium. Pourtant, c'est pas la grosse chaleur, hein, 8,50 €. Hein. C'est ça. C'est ça, mais pourtant Charles Lovelou le connaît bien. Après, maintenant le 7 passe favori. Donc le 7 passe favori, si on a 10-2. Le 7 passe favori, il faut faire 17, on rajoute une 17, 18 sur ses chances. Et 16. On le voit peut-être donc pas si on a 10-2. Pour une place dans les 3, c'est très possible. Hein. 10-2, 12, plus 4, ça fait 16. Place, 10 de 4. Il était battu beaucoup ou pas grand-chose. 4 fois 2, 8, plus 10, ça fait 18. 4 et 2, 6, plus 10, ça fait 16. Tu vois, avec 10 de 4. Tu peux égaler deux résultats. 10 de 4. Non, je ne l'ai pas ici. Après 17, comment on fait 17 cas, mais en tout cas, il tenait très bien on sa fait, partie. C'était vraiment 10 moins 4 égale 6, 6 fois 2, 12. De très bon début. Et il ne alors devrait pas tarder 7. À ouvrir son palmarès. Et 10 de 4, 7. 10 de 4, 7. C'est d'ailleurs votre préféré. 10 de 4, 7. Est-ce qu'on a 12h55 10 de 4, 7. Zatara Magique. On a la course d'avant. Qui a fait preuve jusque-là de régularité. 7 moins 4 égale 3, on a le 3, 3 et 2, 5. Il commence à y avoir une petite 7 moins 4 égale 3, 3 fois 2, 6. On a 3, 5, 6 déjà de la course avant. On a l'as aussi. Avec 7, 2, 4. 7, 2, 4. On a été un peu déçus. 7, 2, 4, on a la course d'avant. C'est déjà pas mal. 7, 2, 4, c'est déjà pas mal. Après, avec 7, 2, 4, pour compléter, pour faire 1200 mètres divisé par 2. 4 et 2, 6. Peut-être un rachat ici. Avec 7, 7 divisé par 4 égale 3, 3 fois 2, 6. 7, 2, 4, c'est pas mal. 7, 2, 4.
7-2-4, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va rajouter 7-2-4? On fait plus 1 moins 1 quelque part, on fait 7-2-4-6, on fait 7-2-4-3, 7-2-4-5, on fait quoi? Ou alors on prend 12 ou 10. Et le 3, Davy Crockett. Faut égaler l'heure de départ. Protégé de Gavin Smith. Davy Crockett qui n'a pas monté chose pour l'instant. 4 fois 3, 12. On va voir s'il montre du mieux aujourd'hui. Part à 12h55, c'est ça? Qui portera les œillères. Muni cette fois d'œillères. Elle est plus dure celle-ci, vous trouvez? Fils de United States, oui, je la trouve plus. Je la trouve nettement plus dure. Je la trouve nettement plus dure. Je le sens à votre intonation, Guillaume. Parce que j'aurais eu tendance comme ça à me diriger vers le 2 et. 9 fois 5. Apparemment, 45, pas la grande confiance sur ses chances. Donc je suis un peu dans le doute. Et j'accorderais plutôt une préférence alors à Rafiki. 7-2-4-10, hein. 7-2-4-10, non ? 7-2-4-10, 7-2-4-3, 7-2-4-6, 7-2-4-5. Va être de nouveau monté par Aldo Domeyer. Ouais, mais combinaison en épage, je serais plutôt. Attends, une cote à 1,5. Je prendrais le 2, ouais, là, effectivement, si prendrais le 1, 2. Un jeu, 3, c'est 4, plus 5, prudemment. 8. Oui, bah déjà mon 2 sur 4, 8, là, il nous fait chier, là. Le pas du 8, c'est 6, c'est 8, elle est une grosse cote. On peut dire qu'elle a déçu. Elle a quand même, oui, elle s'est montrée bien décevante, hein, Lady Okay. Ah bah maintenant, ils ont que des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, ouais, là, t'as vu, ouais, on en attendait beaucoup mieux. Peut-être une révélation, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a une victoire d'une inédite dans l'épreuve précédente. Et puis elle gagne facilement. Ah, elle a gagné vraiment en toute quiétude. Cette pitch d'Aikiri dans l'épreuve précédente. Et si on jouait la forme de Loyola Motoi? Ah bah oui. Le bonheur. Le bonheur. Le bien nommé. Ça nous va bien, le bonheur. Le bien nommé. Allez, on va tenter un couplet cette fois. 6 et 7. 7, 2, 4, chevaux. Quoi. Et on verra bien si on est dans le vrai. On va faire 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 10, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 10. Il faut un numéro chance au quatrième position pour conclure le pari. 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 10. Le 5, le 10, le 13, c'est les numéros chance. Il faut les placer. Soit tu les places dans toute ta course, ou soit tu les places en fin de pari pour te donner de la chance. 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 10. Va-t-il doubler la mise? R3, C3, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 10. C'est pour la cote de Rafiki, hein. 2,90€ maintenant. Oui, on y compte beaucoup, apparemment. Sous la selle d'Aldo Domeyer. Le bonheur est vraiment calme. Avec 7, 2, 4, on a le 7, 2, 4, on a la distance divisée par 2, 6 et 6. Il y a 1200 mètres, donc on fait 6 et 6. Avec 7, 2, 4, on a 6 et 6. Et c'est l'heure de départ qui me chagrine. J'ai 7-2-4, mais j'ai pas le reste. 7-2-4-5, 7-2-4-10 pour numéro chance. Ils vont être là. Hein. 7-2-4-5, 7-2-4-10. Mais... peut-être le 5 ou le 10 en simple placé, je crois. R3-C3. 7-2-4-3, 7-2-4-3, 7-2-4-5, 7-2-4-10. Or si. On en a parlé un petit peu, celui-là. Hein, il a commencé à le 5, il a une mauvaise là, allure, là, il s'emballe, il fait quoi, là? C'était beaucoup première, mieux la dernière fois. C'était beaucoup, beaucoup mieux la dernière fois. Première bonne performance, ouais. Ouais, sur 1000 mètres, ici. 200 on mètres a une de piste plus, en herbe, hein, faire ouais. On préfère faire des suites, hein. Mais c'était Gretchen pour la première fois. Hein. C'était 2, 4, la première 5. Association à Gretchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gretchen, hein, donc ça paraît quand même pas mal. Hein. Pourquoi faire pas ouais, 3, pourquoi R3, C3. De 8 contre 1 environ. Piste en herbe, c'est une piste en herbe. 7, 2, 4, 5. Gretchen est descendu de cheval. Pur sang, feu mal et ongle. Allocation distribuée. Les informations concernant les partants sont communiquées. La responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel les courses sont organisées. Ouais, ils descendent un peu plus pour les tenir en main, les décontracter.
C'est ça, hein, qui ne se tente pas trop. On a une cote de 1,8 du favori. Le 2, il paraît pas mal, le 2. 1,9 maintenant. C'était 2,9. 1,9, c'était 2,9. Comment on fait l'as derrière ? 7,2,3, 7,2,6, 7,2,3, 7,2,6. 15 euros. Il reste encore un ou deux concurrents à rentrer dans les stalles. 7,2,10. Ça va encore aller très vite sur 1200 mètres. Ah oui, là on teste votre vélocité, Guillaume. C'est ça. Parti avec un très bon départ au centre du numéro 3, Davy Crockett. C'est juste pour vous expliquer mes calculs, les gars. Davy Crockett en première position. Je ne vais pas rester longtemps, c'est pour vous expliquer mes calculs. Concurrent, le 7, bon, moi, je connais un petit peu tout ça, mais tu vois, des fois, je me plante quand même. Hein. Aussi qui est bien placé. La 1200 mètres, c'est vite fait, 1200 mètres. Hein. Il est bien de 8, hein, salopard. Il va faire quelque chose, lui, non ? Concurrent très régulier, le 8. Il avait une belle cote, putain. Devant, les numéros 2 et 3, 8, 2, 3 en tête. Des ressources, il va décrocher, beaucoup de il ressources. Va décrocher. Hein. Pour Rafeki, le 7. Le 8 qui mène toujours à 350 mètres du poteau, qui tente de repousser les attaques. Alors que le 12, Zatara Magique s'annonce. Le 12, Zatara Magique et le 8, Russian Empire aux prises pour le succès. À 100 mètres du poteau, c'est le 12, Russian Empire qui prend le meilleur et va s'imposer facilement. Le 8, Russian Empire conserve la deuxième 4, place. Alors. Devant, il semblerait le 7, Rafiki, bienvenu, hein. Favori, qui complète le podium. Chier, celui-là. Et le 8 est deuxième, non ? Non, c'est... Là, 200 mètres du poteau, environ. Ah, le c'est 8, hein, deuxième. Putain. Zatara Magique qui attaque sèchement l'animateur. Non, c'est un 3, 8, un 8, c'est quoi ? C'est un 8, hein. Le 7 est déjà troisième. Rafiki. Troisième, le 7. Ouais, c'est 12, 8, 7. 12, 8, 7. Voilà. À 50 mètres du poteau. Hein. 12, 8, 7, 10. La cause est entendue pour Zatara Magique. Ah, l'entraînement de je suis à côté. Le trio tout à l'heure, il fait quoi ? Ah, j'étais bien parti avec 12-10 là. Un peu de la merde. Le trio, là, R2-C3. On vient de placer un trio aussi, je sais pas les rapports qu'il a, mais à 16 euros, c'est tout, putain. C'est pas les courses les plus faciles là. À Volvega, Fairway là. R3-C3, alors il tombe quoi ? Le 12, le 8, le 7. Putain. Ah, le 8, hein, la vache. Il y a une belle cote, hein. Il est à 31 euros, là. Fait chier, merde. J'essaye de resserrer mes paris pour faire bien et. Je veux trop me compliquer, puis je fais de la merde. Sept, deux, quatre, dix, c'était bon, ça. Sept, deux, quatre, dix, douze. Bon, ils ont même pas mis l'arrivée, là. J'ai même pas vu ce que c'était. Il y avait 12-8, 12-8-7, quoi, là. Oui, Sophie, parfaitement. Et on se retrouve ici, donc, en direct de l'hippodrome de Volvega pour assister à ce quatrième. Donc, chez PMU, ils mettent longtemps après l'arrivée. Un bon moment avec les favoris qui n'ont pas cessé de s'illustrer au cours de cette journée, avec notamment dans la première épreuve du programme Everest Vedake, qui a gagné avec beaucoup d'à-propos. Lady Bros a suppléé Lady Pellini dans la deuxième épreuve du programme. Alors, R2-C4, pareil, on a mis 2100 mètres à faire. Favorite,
compétition. Pour égaler 10 et 11, favoris, il y en a 3 en fait. 2100 mètres divisé par 2, ça fait 10 et 11. Pour égaler 10 et 11, pour égaler 13h10. Il s'agit de Mistral Ricardo. Et il y a le numéro 9, c'est Maria Hall. Voilà pour les concurrents les plus comment on va faire alors que les chevaux font leur apparition sur la piste. Distance à couvrir 2100 mètres avec un départ. R2, c'est 4. Une cote à 3,6. Peut-être l'occasion pour nous de faire un point sur l'arrivée d'avant alors. De certains entraîneurs. 12-8-7-5, putain de merde. Bella Ciao Face pouvait fort bien jouer un rôle ici, ce qui est assez étonnant hein, parce que c'est une concurrente qui effectue ses débuts. Puisque je disais 7-2-4-3, 7-2-4-5, je ne sais plus ce que je disais. Elle a de la marge, elle s'est bien qualifiée. Lorsqu'elle s'était qualifiée, on sentait que son pilote en avait sous le capot, comme l'on dit. Il s'attend à l'avoir joué celui. Un premier rôle pour finir dans les trains premiers, voire mieux. Même donc, attention à Dion Teslar, très confiant avec Bella Ciao Face. Derrière, eh bien, le 404 Mistral Ricardo est entraîné par Happy Bocha. Il nous a dit Mistral Ricardo était fautif pour ses débuts. On a changé pas mal de choses. Le 5 et 10 sont bien en 4e position. Entre 15 et 16. Je vous avoue sincèrement que 5, si ce cheval trotte entre 15 et 16, il ne va pas taper. R2C4, à 13h10, R2C4. Il est à 6 euros. En plus, ça part rapidement aujourd'hui. Évidemment, lui accorder un large crédit. Il n'a pas le temps de faire les calculs. Parce que son entraîneur a l'air d'y croire. Le 407, c'est Magnificent. 13h10, l'arrivée d'avant, c'est Michel Rottengatter qui nous a dit très bon comportement récent. Cheval montre de belles dispositions. On a 13h10 à faire. On a 10 et 11. Pour les premières places, on y croit donc à ce numéro 7 qui explique également. Et on a quoi aussi ? La valeur du favori à 3,6. Attention parce que 3,6 contre 1. Donc si on compte pas l'as, on prendrait le 3,6. Si on compte pas l'as, on compte 3. Donc on fait. Non, bah là, il passe à 4,1 là, le favori. Là. Si on compte pas l'as, on fait 1, 2, 3, 4, on prendrait 5. Et là, on prendrait 10. On va faire nos calculs avec 5, 10. Bêtement, on va regarder si ça fonctionne pour pas trop se poser la tête. A de la qualité qui peut trotter 16 sur ce type de tracé. Elle avec le 2 favori, avec le 2 favori aussi, on rajoute une dizaine. Donc ça fait 2-12. Les débuts de Bella Ciao Face à suivre le 13, numéro 1. Le 2, on rajoute une dizaine, donc ça fait 12. Donc on égale 11, 12, 13 aussi dans l'arrivée. Et le 7, il va peut-être passer favori ou le 9 là. On va attendre un petit peu. Concurrent qui a montré. Donc concurrente qui a montré. Si on a 10-5 pour égaler 11, 12, 13 avec 10-5, ça fait 10 divisé par 10 moins 5 égale 5, ou alors 10 divisé par 5, ça fait 2, ou alors ça fait quoi ? 10 et 5, 15, 5 moins 1, 4, ou 5 et 1, 6, pour égaler 11, 12, 13. Qui passe devant nous d'ailleurs, avec le numéro 1 ici, Bella Ciao. On a 9 et 2, 11. C'est le bruit des écuries. Des débuts en ce qui concerne on a 19-2, ça fait quoi ça 19-2 bah, maintenant on passe sur une cote à 4,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va être 5. Peut-être à la hauteur de la situation aujourd'hui. Donc on a 5, on a 2. Qui va piloter cette concurrente. Il a pour égaler 11, 12, 13 avec le 5 et 2. Assez loin. Bon, ça reste un 6 et 5, 11. Qui a une certaine expérience. C'est de la charrette. Il est souvent appelé par Dion Teslar, avec lequel il a un peu de réussite. Donc voilà. Mystery, très joué qu'est-ce également. Qu'on va faire de ça, 2, les on l'a évoqué tout à l'heure, alors que l'on découvre ici le 5. On a 13h10 à égaler. On a 2 fois 5, 10 déjà. Qui reste 2 fois 5, 10. Place, qui avait obtenu on passe à 4,7 du favori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tracé un bon on a 4,7, on va regarder 4,7. Le lot 2, 4, 7. Correct, mais c'était pas non plus un lot. La cotation n'arrête pas de changer aussi, les gars. On fait 2, 4, 7, donc on a le 4 et 2, 6 et 7, 13. On a 7 et 4, 11. On a 11 et 13. 2, 4, 7. On repart avec 2, 4, 7. Également l'objet de bruit favorable, Mystery. L'arrivée d'avant, c'est quoi tout à l'heure, ce Mystery, trois tentatives 12, 8, 7, 5. De j'ai pas 5ème. Un concurrent qui a fini deuxième à Volvega la dernière fois, entre-temps sur le pied d'une 16. Donc voilà. Je vous rappelle que Happy Bocha nous disait que Mistral Ricardo était un cheval en progrès en ce moment et qui pourrait peut-être trotter entre 15 et 16, ce qui peut suffire ici. Hein, à on va regarder 6 et 9, parce que c'est ça, le 6 et 9. Pas mal.
comme ce sont des chevaux qui sont relativement Volvega, R2C4. Avec des origines américaines pour un certain nombre d'entre eux. On sent quand même des chevaux qui sont assez, assez bien mis, qui ont de la vitesse tous, et du coup qui sont assez difficiles à distinguer purement lors des canters. Mieux les voir lors des hits, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant pour les distinguer. Les 3 ans affrontent les 4 ans au départ de cette course, prise à sécurité. On part à 13h10. En ce qui concerne les épreuves, j'ai envie de faire 6 et 7, 13. Hein. Allez, on prend 9, on prend l'as, 6, 7, 9, as. Que l'on découvre ici, 6, 7, 9, as pour faire le calcul. C'est Magnificent Pharma, bien, peut-être. Non, il s'agit du 3. Nous avons été coupés. Je ne mets pas de 5e là. Bascrebas qui était tout à l'heure également de la partie avec quelques concurrents. Avec son cheval, il s'est retrouvé complètement pris de vitesse et n'a jamais pu jouer le moindre rôle. Il notait 4 bulles. Qui était quand même très décevant. Avec Passelou, en revanche, son autre représentant a bien figuré. R2C4 à Volvega, 2100 mètres, pour égaler 10 et 11. Alors, on a vu Misty Dragon s'échauffer. Et là, c'est au tour d'un autre concurrent qui se trouve derrière lui. Il s'agit du numéro 9, Maria Hall. Alors, faites-vous une idée de Maria Hall, parce que Kay Grift estimait que Maria Hall pourrait fort bien encore jouer un très bon rôle aujourd'hui. C'est pas mal, rien à dire. C'est une des plus jeunes de cette course, une coulisse de 3 ans, est à 10. Ça n'arrête pas de changer. La cote du favori n'arrête pas de changer. Le favori lui-même n'arrête pas de changer, c'est chiant. Qui s'est plutôt bien là, on passe du 9 au 2, on reprend au 9. C'est chiant. Incontournable. On va prendre 9-2. Hein. L'argent, il était sur Mystery au départ de cette course, le numéro 2. Sa cote remonte un peu, 9-2-6 ou 9-2-7-As, 9-2-6, 9-2-5. Est en train de passer devant les tribunes. Et là, Bella Ciao Face, c'est pas mal, hein, Bella Ciao Face, une jument qui a l'air d'avoir beaucoup de vitesse. On va peut-être la voir dans le virage. Non, notre cadreur s'intéresse davantage au numéro 7 ici, Magnificent Pharma. On n'avait pas eu l'occasion de voir. Il n'est pas négatif du tout, hein, son partenaire. C'est l'entraîneur de King Shermer qui s'est montré fautif la dernière fois sur les podiums de Vincennes, associé à Eric Raffin, alors qu'il disputait les premières places. Une cote de 4,5. Magnificent Pharma, femelle de 3 ans. Des cotes à 4,5. Deux cotes entre 10 et 19 contre 1. Et au-dessus, ça monte alors, à 30 ou 40 euros. Elle est réservée, Bella Ciao Face, l'inédite. Elle est passée tout à l'heure très tonique. Cotes, 5 petites cotes. Et ensuite, entre 5 contre 1 et 7 contre 1. À 5 cotes. Dans le tournant. Sinon, c'est 10 euros, entre 10 et 19 euros, sinon ça monte à 30 et 40 euros, 50 euros. J'ai l'impression quand même que même en sollicitant son partenaire, voilà, un pas non plus, un rendement phénoménal. Je fais en plus qui a un palmarès qui est moyen pour 6 Moonshine Mido, ça va être dur peut-être pour le 8 Velten Pelagio. C'était bien. On essaie de chercher le truc qui pourrait payer, mais on part à 13h10. Pour le moment, il a l'air également de plutôt bien se comporter. Regardez de qui il s'agit, de ce concurrent. La course d'avant, ça y est, 12, 8, 7, 5 as. Donc on va prendre l'as. On a aperçu le 9, Maria Hall, qui était pas mal. Alors on va essayer de se résumer. As 7, 6. On va as 7, 6, as, as 9, 4. Faire confiance à Bella Ciao Face, peut-être, pour une petite surprise d'entrée de jeu. À Maria Hall, parce que 6. Son entraîneur a l'air de dire que même si elle est encore verte, elle dispose d'un As, certain potentiel. As4. Donc on a As4. Et puis, bon, pourquoi pas, les bruits d'entraînement que sont ceux de Mistral Ricardo, numéro 4. Donc, la Misty Dragon, c'était très très bien sur la piste il y a quelques instants. Voilà, donc 4 concurrents. As9-4. Le reste pour Juno As9-4. Peut-être un peu compliqué. On fait pareil, As9-4-3, As9-4-3, As9-4-5, As9-4-6. Mystérie. 9-4-7. D'ailleurs, devant Mystérie aussi joué. Allez, sous les ordres. On va pas tarder. As-9-4-8. Encore le 8. As-9-4-8. As-9-4 quoi ? Une cote à 3,9 du favori. On prend le 9 et 3. As-9-4-3. As-9-4-3. Chier. As-9-4-3, R2-C4, As-9-4-2, As-9-4-3. Il faudra que j'aille aux toilettes. Ils vont pas la faire en plus, ils vont pas nous la montrer là. Magnificent
Pharma. Et un cheval qui est au galop, c'est Bella Chaofe. Ça, c'est pas. Ouh là 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 là. Et Maria Olo Galop, le 9. Là, c'est également Bella Chaofe. On va sans doute partir comme ça. 3,9, attention, 3,9. As 9 et 7 au galop. Et le numéro 6 également au galop devant les tribunes, décidément Moonshine Milo. Bon, moi, et regarde, le 3 les gars, ça n'intéresse personne. 5 concurrents du Nodé qui sont quasiment hors course. Pendant ce temps-là, on est parti relativement vite. Mystery a pris un très bon départ, non loin du groupe de tête Mistral Ricardo. S'est rapproché également pour se diriger vers le début de la ligne d'en face. Quelques concurrents également suivent comme Misty Dragon qui s'annonce. Moi, je fais mes calculs, les gars, vous voyez, c'est des calculs à faire à chaque fois, à chaque course. Velten Bellagio Mystery pour aborder la ligne d'en face avec Mistral Ricardo. C'est pas du tout repos. Hors course et parmi eux, Las Bella Ciao Face. Hors course également, Magnificent Pharma le 7 et le 9, Maria Hall. C'est inquiétant. Le 8 pendant ce temps-là, Velten Bellagio assure toujours le rythme, accompagné par Mistral Ricardo, par le 5 plus, Mistral. Plus t'as d'argent pour sécuriser plusieurs paris, et plus tu vas en gagner. Mais si t'es juste déjà en argent, c'est pas la peine de jouer. Franchement, va t'acheter à manger. C'était difficile de pouvoir. Si tu as déjà de l'argent pour miser, pour t'acheter plusieurs tickets, là tu as des chances de gagner. Si tu as quoi t'acheter qu'un seul ticket, vaut mieux t'acheter à manger. Ça sert à rien. Tu gagneras une fois, mais ça va te donner envie, ça va que te porter la poisse. Si tu as un peu d'argent, tu vas t'acheter à manger seulement. Si tu as déjà un capital, tu peux tenter, tu peux jouer. De les contrer mais pour bon. Se diriger vers le virage sans aucun changement dans l'immédiat. Si t'as que 10 euros, c'est pas la peine. Va t'acheter à manger, c'est bien mieux. Non, ça va t'attirer que des ennuis. Dragon qui occupe les premières places pour se diriger bientôt vers le bout de la ligne d'en face sans grand changement. On est donc tout prêt avec le numéro 2, Mystery également, qui patiente librement. Toujours le 5, Misty Dragon, flanqué à son extérieur du 8, Velten Pelagio. Vient ensuite le numéro 2 qui trotte tout prêt avec le numéro 4. Le 8 qui revient à belle de encore. Ricardo, la course paraît complètement circonscrite. On essaye de revenir néanmoins avec Julio qui nous fait du terrain. Il reste 500 mètres. Velagio, le 8 qui accélère encore et qui tente de prendre désormais le meilleur. Le 5, Misty Dragon qui est en deuxième position. Le 4, Mystral Ricardo qui n'est pas très loin. Et le 2, Mystery qui est complètement bloqué. L'entrée de la ligne droite bientôt. Le 8 qui s'est beaucoup donné. Velagio, 3,9. C'était quoi 3,9 4,9 Misty Dragon au contraire. Mystral Ricardo qui essaie de revenir un petit peu. Et le voilà qui prend l'avantage. Mystral Ricardo en retrait. Mystery revient. 3,9 2 3,9 4 Velagio qui n'est pas très loin. Mystery qui décroche pas. Mistral Ricardo mais à l'extérieur en train de doubler, mais il est pas mal. Misty Dragon qui essaye de revenir. Deuxième, le 8 est une belle cote encore. Mistral Ricardo qui va l'emporter devant le 8, Velten Medaggio. R2C4 2-4, c'est quoi non? Par le numéro 2, il s'agit de Mystery et la quatrième un petit peu plus loin par Juno Del numéro 3. Une fois que c'est l'arrivée déjà quand l'arrivée vient de se faire déjà on est plus reposé parce qu'on se dit ouais bah les calculs sont bons mais c'est pas facile de se poser sur un truc. Et il a gagné avec beaucoup d'à-propos. Deuxième place pour le numéro 8, Velten Bellagio. Le 4 gagnant. N'attendez pas par effet de ce concurrent. Il court remarquablement. Le 10 derrière, là. 4-8-10. C'est bien défendu, le 3. Juno venant ensuite. Le 5, Missy Dragon, c'est complètement écroulé. C'est quoi celui-là le... Et on notera eh bien, que ouais. Les favoris... 4-8-2. C'est pas le 2, c'est le 10. 4-8-2-3. C'est pas un 10, ça, qui était 3e, là. Bizarre. On voit même pas les numéros, les gars. On voit même pas les numéros à Volvega. Et pour finir, on était sur le pied de 16. Et voilà donc un cheval, Mistral. C'est plus que je donnais comme numéro. C'est plus que je donnais comme numéro, les gars. 9-2-3-4, je sais plus quoi, non. Non, j'avais l'As, j'avais le As-9, As-9-2-3, je sais plus quoi ce que je disais. As-9-2-4, As-9-2-3, As-9-2-7, As-9-2... Ah ouais, là voilà. As-9-2-10, As-9-2-5... Est-ce qu'il est possible de baisser un petit peu mon retour à moi? Si c'est possible. 1-2-1-2. Il y a rien. 1-2-1-2. Fais voir. Là, j'ai toujours mon... J'aime bien quand j'ai un retour assez faible de ma voix. Fais voir, 1-2. Bah tu vois, t'as plein de calculs pour égaler 13, l'heure de départ, hein, pour égaler 13. Hein. T'as pas qu'un seul calcul comme mathématiques, en mathématiques à l'école. Hein. T'as différents calculs hein, pour égaler 13. Hein. Même dans le monde hippique, tu peux faire le 5 égale 16 ou le 5 égale 14. Hein. 4 et 1, 5, 6 moins 1, 5. 6 moins 1, 5. Hein. Le 16 égale 5, le 14 égale 5 aussi dans mathématiques à moi, le calcul hippique. C'est possible, hein.
Allez, j'arrête les gars. L'arrivée alors. R2C4, 4-8-2-3. R2C4, 4-2, arrive. 8, il vient à belle cote. Hein. Encore le 8 à 52 euros. Putain, le 3, il vient à 24 euros. Merde. Bon, à Volvega, ça vient de se terminer là. On part où là, à la Capelle. R4-C1 à la Capelle, 13h25, R4-C1. Faut égaler l'heure de départ, faut égaler 2700 mètres là, ici, pour cette course, R4-C1 divisé par 2, ça fait 13 et 14. Faut égaler 13 et 14. R2-C4, on égalait 10 et 11 avec l'arrivée là. Il y a 8 et 2, 10, il y a 8 et 3, 11, 8 et 2, 10, ouais. On égalait l'heure de départ, R2-C4, c'était quoi l'heure de départ, R2-C4? 13h10, 8 et 5, 13, ou 3 fois 2, 6, plus 4, 10, 8 et 2, 10. On peut reprendre aussi le numéro aussi deux fois. Ah, le 8, il, putain, il va être trouvé celui-là. À 13h25, R4C1, 13h25. Sinon, si tu veux regarder dans les jours qui viennent de se passer, tu regardes lesquels numéros qui préféraient arriver vers 13h ou arriver vers 11h ou les trucs comme ça pour les courses. Si ça peut t'appuyer, après tu regardes l'allure du cheval, si ça peut t'appuyer pour faire tes calculs. Après, une fois que tu pars dans un numéro que tu as trouvé, au départ, tu es assez rassuré par le cheval. Après, il faut égaler deux fois le. Tu divises la distance par deux, tu essaies d'égaler le chiffre. Après, tu pareil, tu regardes l'autre cheval, le numéro que tu proposes. Et après, il faut égaler l'heure aussi de départ. Il faut que tu égales aussi l'arrivée qui vient de se faire. L'arrivée juste avant, là. R2-C4, 4-8-2-3. Tu dois aussi retrouver en R4-C1. Voici Romain Derieux. Et on va saluer tout de suite Olivier Pivin, qui est aux côtés de Loïc Rivenet pour le 13h25, on part à 13h25, R4-C1. Oui, bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. En attendant, hein, Guillaume Poré, que l'on va. On a de la charrette encore. Loïc, il y a 2700 mètres. Il faut qu'on égale 13 et 14. Direct au favori. On a 7 fois 2, 14. On a 6 et 7, 13. On a 8 et 5, 13. Maintenant, on n'a pas un super numéro. Et puis, bah, faut le parcours. Mais quand vous dites faut le parcours, ce serait quoi la bonne course pour lui? 7, 5, 6, 8. A5, 7, 4, 5, 7, 8. Oui, j'espère. Encore le 8 là? On n'avait pas une arrivée comme ça, 4, 5, 7, 8 tout à l'heure là. Forcément, hein, Easy Rider, le 8, 7, 5, la R3, C3. Figure d'épouvantail dans cette épreuve. On va le revoir. Là, aujourd'hui, on va être emmerdé entre le As 2, 7 là, qui veut nous faire à nous paris. As 2, 7 aujourd'hui. On va être chiant pour faire les paris As 2, 7. C'est un peu le même signe, tu sais, l'As, le 7, c'est un petit peu le même signe. C'est chiant pour faire. Ces journées-là sont chiantes. Et puis ça part vite fait, t'as le temps de rien. C'est chiant. Où il vient de s'imposer en étant déféré seulement à des antérieurs. Guillaume Poré le connaît à 2700 mètres, faut qu'on égale 13 et 14. Ah oui, mais. C'est logique aujourd'hui. Avec le 4 en favori, on a 9 et 4, 13. Ce numéro 4. Alors 10 et 4, 14, mais comment on fait 9 et 10 là? Ce peloton assez peu. On fait 8 et 2, 10, on fait quoi? 7 et 3, 7, 2, As 7, 2, As 4, on fait quoi? Les impressions de Guillaume Poré au 5, 2, As 4. Je m'approche de Guillaume. 6 As 4, 2. 6 As 4, 2, c'est ma. Guillaume Poré aime bien me. Ma combinaison en n'est pas 6, 6 4, 2, As. Mais avec mes pronostics. C'est quoi, c'est si des vieux chevaux, c'est quoi là, 2700 mètres, 13h25. Non, mais avant le coup, plus sérieusement, il semble. 6 4, 24, plus là, ça fait 25. Et 13h, 6 4, 2, As, comment on fait 13? Hein, si c'est 4, 10 et 2 et 1, 3. 6, 4, 2, As. Merci beaucoup. Ça va être emmerdant, c'est 7, As 2. Là. 7, As 2, 4. Et toi, t'as 1,7 du favori. On a peut-être As 7. As 7, 6, 2. As 7, 6, 5. As 2 pour 10. C'est vrai que Guillaume Poré a parlé de Dulcinée d'Arbaz, une concurrente qui a des moyens, qui avait effectué sa rentrée au mois de mars du côté d'Amiens, après 11 mois d'absence, mais qui n'a pas été revue depuis.
proposé par PMU, on a quoi? Un déféré des 4 pièces d'entrée de jeu. Le 3 est non partant. Justement, Olivier va nous en parler. La R4T1. Ben oui, parce que regardez, j'ai croisé Mathieu Boutin qui était le premier rentré en piste. Hein. Mathieu Boutin, entraîneur de galopeurs, on le précise, hein, lui qui des amateurs, participe hein, à sa quatrième course cette amateurs. Année dans le rang des amateurs. Il a déjà obtenu quelques places et je l'ai senti plutôt optimiste pour terminer sur le podium avec cette jument hein, qui a finalement peu couru cette saison, mais qui se présente déféré des 4 pieds pour sa rentrée, un bon numéro. Je ne sais pas quel est votre avis, là, Jérémy, mais moi bon, j'ai 2, vraiment envie 9 de 9 faire le 4, numéro 2 de Ciné d'Arbaz une bonne chance pour terminer 7 dans les 3 premiers. C'est vrai qu'en valeur pure, c'est 6, quasiment la jument de la course. Maintenant, c'est vrai que ses absences à répétition sont un petit peu inquiétantes. Elle fait sa rentrée le 9 mars à Amiens, elle n'avait pas été revue depuis 11 mois en compétition, et puis depuis, elle n'a pas été revue, donc elle a peut-être connu un nouveau souci. On la présente néanmoins déférée des 4 pieds, donc elle doit être compétitive d'entrée de jeu. D'ailleurs, Guillaume Boré nous l'a cité, hein, comme une sérieuse opposante, même si on ne connaît pas trop 2700 mètres, faut qu'on égale 13 et son 14. Degré de forme aujourd'hui. Il va falloir quand même être assez prête hein, pour elle, si elle veut essayer d'approcher Easy Rider, qui lui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Faut égaler 13 et 14. Qui est en très grande condition. Voilà le numéro 8, Douena Kerivon, qui vient de s'essayer sous la selle du côté du Touquet. Son canter était bon. Il laisse place à Dolmen de la Croix. Peloton assez peu fourni, on peut s'attendre à une course très tactique. D'autant qu'il n'y a pas forcément de chevaux de train au départ de cette épreuve. Le 4 en favori, il faut qu'on égale. On met une dizaine au 4 en favori, là, il faut qu'on égale 13, 14, 15 aussi. À 8 et 7, 15. Si on a 8 et 7, 15, moins 2, 13. Non, mais dans cette course, Jérémy, Easy Rider, moins 4, donc incontournable. 11. Favori logique. Après, derrière, Dulcine d'Arbaz, malgré sa rentrée. 13, encore une fois, Mathieu Boutin espère être dans le 14, coup. 7 fois 2, 14. Faucon de Faël, difficile d'aller contre 8, 7, hein, sur 7, sa qualité. 4, Dream 8, Durabutin, 8, 7, déféré des 4 pieds. On est obligé d'y croire. Et puis, toujours du côté des déférés, moi, Dolmen de la Croix, numéro 1, je l'envisagerais en cas de défaillance de quelques favoris. Il y en a à peu près les mêmes. Moi, je repêcherais peut-être Goldwyn Duco. Moi, je repêcherais peut-être Goldwyn Duco à la place de Dolmen de la Croix dans cette course. Goldwyn Duco qui sera ferré. Hein. C'est le seul hic dans cette épreuve, mais qui a montré qu'elle avait retrouvé une partie de ses sensations hein, dernièrement. C'était pas si mal que cela au croisé La Roche. On parle surtout pour le Super 4, hein, si on veut construire un Super 4 autour d'Easy Rider qui semble très difficile à battre dans cette course. La première arrivée à Volvega, 4, 5, 2, 6, 3. C'est vrai que pour les deux premières arrivées à Volvega, 4, 5, 2, 6, 3. Principaux protagonistes. Voici Easy Rider. 8, 7. Sans qu'il n'a couru qu'une 4, fois 5, hein, 6, sur l'hippodrome de la Capelle. 8, 7, 4, 5, 6, 8, il est terminé 6e, il était 4, chaussé 5, 6, ce jour-là, 7, et puis c'était un lot beaucoup plus 4, relevé, 5, 6, hein, une course 7, remportée 7, par Fronsac, avec Eleven Chapter notamment. Drop de Colville, que l'on a vu bien faire hier sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville, dans un grand prix. Arrivé d'avant, là on a 4, 8, 2, 3, 5. Réalise une très belle année, hein. Il a un sacré pourcentage de réussite à la gagne, dépasse 4, 2, 3, 5, on prend 4, 2, 3, 5 de la course d'avant. Les 35% de réussite, il y a donc ce Easy Rider qui peut lui permettre de remporter une troisième victoire, une quatrième victoire même cette année. Il y a également Golden Boy de Chenu, gagnant Bricqueville, avec lequel il n'a pas gagné, mais il se fait plaisir. Donc il est vraiment associé à de bons chevaux dans le rang des amateurs, Guillaume Poré. Il ne drift pas souvent, mais ça fait souvent mouche en tout cas. 4, 5, 2, 8. Parce que son emploi du temps ne lui permet pas non plus de se libérer 4, chaque 5, week-end, 4, mais, 5, 4, mais 4, c'est 5, vrai 5, que son pourcentage 5, de réussite 5, est très élevé. Il a l'habitude de me charrier 4, parce 5, qu'on 2, se croise sur tous les hippodromes. 4, 5, hein, 6, 4, 5, 4, 2. On a une cote de 1,5. Le 4-5 as. Des hippodromes parisiens. Oui, mais ça part à chaque fois. Je suis en retard. 4-5 as. Tous les fronts, trop galop. 4-5 as. Et il prend le temps de driver dans le rang des amateurs et cette année ça se passe bien. Se faire plaisir donc il avait sa licence professionnelle il y a quelques années de cela, qui a dû patienter 5 ans pour pouvoir prendre sa licence amateur, si je ne dis pas de bêtises.
Et le voici, grandissime favori au Sulky Dizzy Rider, le numéro 4 proposé à 4 pour 10. Les concurrents qui vont bientôt s'élancer. Le numéro 3 Duomo est non partant, on vous le rappelle. 4-5-8, 4-5-2, 4-5-7 par les ailes 4, 5, de la voiture 4, d'ici quelques instants avec un excellent départ côté corde de Dolmen de la Croix. Bon. On est bien parti. Également avec Dulcinea d'Arbas qui bataille. Ouais, ils vont même pas la montrer, ces enfoirés. Ah, ben. Ils l'ont pas mis. L'arrière-garde en avant-dernière position devant le numéro 5 contre Raphaël. Qui ferme la marche, on est parti. Ah, ils très vite avec ça, Mathieu là, Coutin R4-1. Qui sera bas au commandement dans le premier tournant. Ouais, ils font le petit écran, en deuxième là. Position vient Dolmen de la Croix-Las. On vient troisième avec Goldwyn Duco. Il y a ensuite on une petite sur le petit cassure. Écran, c'est chiant. On trouvait le numéro 8, Duena. Ah, je sais, c'est pas intéressant ce que ma vidéo, mais Easy Rider est toujours en c'est pour vous montrer les calculs que j'ai à faire à chaque fois. Qui ferme toujours la marche. Ah, ça serait pas mal de vous y mettre, les gars. C'est pas mal quand même comme calcul. Avec Dulcinea d'Arbas, ça paraît un peu brouillon, mais je suis fatigué là aujourd'hui. Là. Ça paraît un peu brouillon, mais c'est pas mal. On vient troisième ça avec fait des bons lots quand même. Plutôt côté corde. Duena qui arrivent patiente en quatrième position devant Dream du Rabutin. Alors moi, je mise pas avec des billets, je peux pas miser des billets. J'ai un abonnement internet et je vous partage. Ça fait quelques années que je j'étudie les arrivées. Donc, je vous fais un partage. Toujours avec Dolmen de la Croix. Et je te dis, hein, c'est l'argent appelle l'argent. Si tu as déjà une réserve d'argent, tu peux faire plusieurs tickets. Là, tu peux espérer gagner quelque chose. Mais si tu n'as rien du tout, si tu as que 10 euros, tu gagneras qu'une fois sur 1 million. Pas la peine. Garde tes sous, va t'acheter à manger. T'attends que ça soit mieux pour toi. Dans une période, ça sera mieux pour toi. Et voilà, t'attends. Repris le mouvement après un départ assez violent. On est toujours deuxième avec Dolmen de la Croix. Voilà Easy Rider qui s'est rapproché, ayant fait mouvement. Et il va venir aux côtés de l'animatrice. C'est pareil, j'attends qu'une période ça aux avant-postes en troisième position. Moi, c'est j'essaie Dolmen de la Croix-Las devant de faire un truc, parfait, qu'il n'y ait pas trop d'échecs. Comme ça, j'irai au PMU après. Voilà s'il n'y a pas trop de déchets dans ce que je propose, j'irai chez PMU après. Mais bientôt, c'est cher un pari déjà. Facile à l'extérieur j'ai avec pas envie Easy de Rider. Faire un pari puis de stresser à mort, c'est pas la peine. Ça va se ressentir à l'autre bout de la planète. Faucon de Faël qui fait mouvement et tente de se rapprocher des premiers. À côté corde, on a toujours un petit peu de ressources j'ai avec pas envie de la stresser. J'ai pas envie de jouer les courses et puis de stresser, c'est pas la peine. Le numéro 8 qui semble avoir du mal à suivre le mouvement. Dulcinea d'Arbas qui a contré Easy Rider qui a beaucoup de mal à crocheter sa rivale. En troisième position, Dolmen de la Croix, tout à l'extérieur, Faucon de Faël tente toujours de progresser, mais il est As-2-4-5, c'est ça, As-2-4-5, As-2-4-7. Dulcinea d'Arbas qui a toujours le meilleur devant Dolmen de la Croix. Easy Rider va tenter de attends, se relancer dans la encore. Phase finale, même si ça a été là, un petit peu là, difficile fait dans le dernier tournant. Les limites, lui, avec à l'extérieur, Faucon de Faël et Dream du Rabutin qui sur le côté, là, il veut essayer de passer, il est limite. Hein. Et là, c'est Rider qui a pris le meilleur sur Faucon de Faël qui derrière, vient tout à l'extérieur ouais. Assez facilement semble-t-il ça bang avec bang, Yannick Mollema ça bang, bang mal, Faucon de Faël c'est quoi derrière qui a pris le 6 le 8 sur Easy Rider, je sais pas quoi là favori qui va semble-t-il devoir se contenter à de la 5, deuxième 4, place à 5, 4 de Faël, le numéro 5 la drive de Yannick Mollema qui 5, va s'imposer dans cette épreuve 5, 4 sur la 5, 4 place sera prise par le numéro 4 5, 4 as 2 Dolmen de la Croix et numéro 2 Dulcinea d'Arbaz. Si t'as joué si t'as de quoi jouer mes combinaisons c'est pas mal hein. Il y a mes combinaisons, sinon en haut de mes pages, les gars. Course n'est jamais gagnée d'avance. Les combinaisons en haut de mes pages sur le Facebook. Faucon de Faël qui s'impose à 6,60€. Je te dis, on va être emmerdé par As de 7, la 5ème position, la 4ème, 5ème position. On va nous foirer nos jeux, j'aime pas ces journées-là. Sinon, on met As de 7 en simple placé sur pas mal de courses aujourd'hui. As de 7 en simple placé. On devrait avoir pas mal d'arrivées. Une surprise hein, avec Easy Rider battu à 4 pour 10. J'aime pas ces journées-là. Dans cette épreuve d'ouverture, mais c'est vrai qu'il est battu. Je décide de faire un live sur une journée comme ça, mais c'est pas les mieux. Qui a de la classe, qui a de la dureté également. Il l'a fait voir aujourd'hui. On avait un petit doute concernant sa forme du moment. La course d'avant, le 2 sur 4, couplet placé, ça valait quoi? Putain, t'as vu le couplet gagnant, la course d'avant? 4-8, la vache. À 2 sur 4, il paye quelque chose, à 52€, la vache. On est payé trois fois avec ça?
Je sais plus ce que je propose, je regarderai la vidéo parce que je sais plus ce que je propose. R2C4. J'avais parlé de 2-4, R2C4, non ? 5-4 As, hein, c'est pareil, 5-4 As, là, c'était quoi comme valeur ? L'As, il est à 23 euros. Le 5 et le 4, c'est des petites cotes. Je ne sais pas ce que ça va faire. Hein. Et le 2, c'est quoi ? À 10 euros. Ben, c'est un super 4 qui vaut peut-être le coup, ça. Hein. R4C1, là, 4 As. R2C4, 2-4. R3C3, 3 divisé par 3 égale l'As. On a l'As 5e. R2C3, on a le 3. On a le 2 5e. R3C2, on a le 2. Les journées comme ça sont pas mal non plus, mais R2C2, le 2. 2 divisé par 2 égale As aussi. On a 2 As. R2C1, on a le 2. Numéro de course, numéro de réunion aujourd'hui avec As 2 7. Comment ça peut placer ? Numéro de course, numéro de réunion avec As 2 7. Mais ça fait beaucoup trop de chevaux. Il faut que tu choisisses entre As 2 7 aujourd'hui. Et numéro de course et numéro de réunion. Ah, c'est juste pour le kiff, hein, mais vous regarderez ce soir ce que ça vaut. Mais c'est trop risqué, ça. Moi, je préfère un truc sûr quand même pour parier. Hein. Un truc plus sûr quand même. 5-4-3, c'était pas mal. 5-4-3, ça 6-2-4, là. 4-1. Il n'y a personne sur Facebook. Peut-être pas mis à jour le truc, je sais pas, il n'y a personne. Là, on part à Clairefontaine, R5C1. Ah, c'est sans moi, j'arrête. De, la Normandie, terrain 5C1, bon, bien sûr. Clairefontaine, j'arrête. À 3.2, c'est l'indice pénétrométrique non partant. Le 204, Petit Pedro, le 206, Dragon Split, le 212, Jerry Madel, le 404, Nova Scotia, et enfin le 811, Libre. Programme composé de 9 courses, ici la première, dans quelques instants à 13h40, cette course dite à réclamer. Entends ta voix, utilise des écouteurs pour entendre comment les spectateurs t'entendent. Ouais, l'un des nombreux handicaps. J'ai pas écouté sur TikTok, si on l'entendait. Le plus fleuri de France. On se rejoint quand les chevaux sont en train de quitter le rond de présentation. Et avant de retrouver dans quelques instants notre homme de Deauville, notre homme de Clairefontaine,